Aussitôt arrivés à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, les rois Philippe et la reine Mathilde ont visité l'école privée belge. Le couple royal a été salué par les responsables de cette école avant les souhaits de bienvenue, lui présentés par un élève de cette école ouverte dans cette ville en 1972. Sire, Majesté, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue au nom de tous les élèves de notre école. Nous avons demandé à un jeune artiste congolais, Jérôme Kasongo Mouloun, de représenter notre école en peinture afin de vous offrir un souvenir de ce jour particulier de la part de l'ensemble des élèves, des enseignants, des directions et du conseil d'administration. À cette occasion, le roi Philippe Léopold-Louis-Marie a procédé au dévoilement d'une plaque portant la mention 50 ans qui marque le 50e anniversaire de cette école belge dans cette province. À l'issue de toutes ces cérémonies, le couple royal a visité les différents bâtiments administratifs et les salles des classes. Lors de cette visite, le couple royal belge était accompagné du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kaboulé Katwe. Cette institution scolaire propose un enseignement depuis l'école maternelle jusqu'au secondaire et suit les programmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette école privée suit tous les cursus belges et les enseignants sont pour la majorité des expatriés belges ou européens. Les examens sont validés par les instances belges et chaque diplôme obtenu est identique à celui réalisé sur le territoire belge. L'école compte actuellement 624 élèves.